April. You like hockey's back, don't you? Il déchire et il mord, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Welcome to Primetime, bitch! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film adapté d'après une attraction, chose assez rare quand même. Et surtout un film, ou plutôt un téléfilm, qui parlera beaucoup à ceux et celles qui ont passé de nombreux Halloween devant M6, ou qui étaient fans des programmes horrifiques pour enfants sur cette chaîne. Et ce film, c'est Le Fantôme d'Halloween ou encore Tower of Terror, sorti en 97 et basé sur The Twilight Zone Terror, l'attraction de chez Disneyland. Par une nuit d'orage il y a fort longtemps, 5 personnes passèrent les portes d'un ascenseur pour vivre un cauchemar. L'orage est maintenant de retour et les portes s'entrouvrent à nouveau. Mais cette fois-ci, elles s'ouvrent pour vous. Quand j'étais enfant, j'étais totalement fascinée par ce téléfilm qui me plongeait tant dans le mood pour Halloween. Et je le revoyais chaque année avec toujours autant de plaisir. Autant vous dire que je ne cachais pas ma joie quand j'ai enfin pu prendre le fameux ascenseur à Disneyland. Comme si je plongeais enfin dans l'univers maudit de cet hôtel. Le fantôme d'Halloween nous transporte dans le quotidien d'un reporter raté qui enchaîne les fausses histoires improbables jusqu'au jour où il tombera sur un vrai mystère avec de vrais fantômes. Un mystère autour de la disparition de 5 personnes en 1939, alors qu'il prenait l'ascenseur pour se rendre à une fête. Sorte-t-il de l'hôtel ? Laisse-nous entre nous. Tu viens ici un ami ? Oui. Il faut réparer l'ascenseur. Depuis, les fantômes hantent le lieu et ça, notre reporter va vite le constater. Et en prime, on aura une Kirsten Dunst toute jeunette. Le fantôme d'Halloween, c'est un film d'esprit idéal pour les petits et les adolescents et un film tout en douceur et en feel-good. Salut ! Salut ! Sally, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Coucou. Enfin, c'est le moment de la carte blanche. Et aujourd'hui, c'est celle de Paloma de la chaîne Cinémaniac. Une chaîne qui nous remet en avant les classiques musicaux tels que Chantons sous la pluie ou encore Dirty Dancing. Donc c'est forcément une bonne chaîne. Cinémaniac a choisi Hocus Pocus,
parce que ce film est sans conteste son doudou d'Halloween. Pour son ADN des années 90 présente à chaque seconde, les trois actrices iconiques qui jouent les sœurs Sanderson, et parce que le film se situe à Halloween. Un combo gagnant quoi. De plus, Paloma aime aussi beaucoup le principe du film avec des enfants qui se déguisent en monstres, avec Dany en sorcière par exemple, et qui se retrouvent pourchassés par ces mêmes monstres. Si entre sa présence dans le calendrier et la carte blanche de Cinémania que vous n'avez pas envie de découvrir ou redécouvrir ce film culte d'Halloween, je sais plus quoi faire. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à la découvrir, je vous mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez les fantômes d'Halloween ou Hocus Pocus. Et à demain pour une nouvelle vidéo.